cet endroit, ça craint. Hiver comme été. J'ai reçu une formation des plombiers. C'est pas fait pour ce genre de truc. Aidez-moi. Il y aurait plein de choses à révéler sur cette usine. M'échapper et réviser un peu. Oh, si seulement j'étais à la maison. J'espère que j'aurai le temps de faire mes devoirs. Bonne idée d'avoir mis un casque.
suis dangereux. Ton diplôme universitaire est une bonne blague. C'est l'assembleur. Ah non, c'est l'heure du show. Me voir. J'aurais dû passer un peu plus de temps au dojo. Il n'y avait rien de personnel. Je vous ai combattu pour le plus grand bien. En train depuis des millions d'années. Pourquoi faire? C'est le coup de pied de la main. Namasté. J'ai fait plein de lettres. Après le combat, on pourrait aller manger un morceau tous ensemble, non? Médite-la. Soit avec vous.
Pas la peine de manger. Oui. Choses à révéler sur cette usine. C'est le challenge ultime, et même plus encore. Je pourrais peut-être m'échapper et réviser un peu. Quand j'y pense, faut vraiment être dingue pour construire ça. Les épaulettes, c'est pour les filles. Je t'ai eu, Page. Vive le vert. Avec tout ce matos, vous pourrez faire de meilleurs jeux. Cet endroit, ça craint, hiver comme été. Zelda, que la tranquillité soit avec vous. Faut que je pense à piquer deux fois de temps. Grandis et fleuris. Vous pourrez faire de meilleurs jeux.
Zelda ? Zelda ! Que la tranquillité soit avec vous ! Une victoire pour les Tonkas ! Merci, professeur. Maintenant, nous pouvons rapporter ce livre à papa et maman et arrêter ces aliens. Vous venez pas, professeur? Non, ma place est ici. J'ai démarré une nouvelle vie dans ce monde, avec ma nouvelle fiancée. Enfin, une femme qui me comprend. Je suis follement amoureux. Elle est drôle en plus. Je suis très heureux. Bonsoir Springfield, ici Kent Brockman qui court après l'imbécile de la ville Homer Simpson et son délinquant de fils Bart qui se sont engagés dans un combat improbable contre la mascotte d'un magasin de donuts. Bart Simpson, ton père et toi, vous êtes fous ou quoi? Coucou Lenny, je passe à la téloche et je viens de dire ton nom à la téloche. Le dis pas à Carl, à moins qu'il regarde et là. Coucou Carl, dis pas à Lenny que j'ai dit ton nom. Bon, faut que j'y aille. Du Donut vient d'apprendre à ses dépens que Bart Simpson était une vraie plaie. La
mascotte du géant du Donut, assisté par des petites poules tombées d'une affiche, ça me rappelle des comédies poilantes. On dirait une autre trappe. Dodu Donut nous réserve de nombreuses surprises. On dirait que ça me fait quelque chose. C'est incroyable. Si, si, je confirme. Il s'agit d'un laser. Dodu Donut nous surprend une nouvelle fois en donnant vie à une bande de clowns. Combien de temps le géant de la malbouffe pourra-t-elle encore résister? Dodu Donut a perdu Bart et Homer de vue. Mais ne vous en faites pas. Il va remuer ciel et terre pour les retrouver avant que je propose de les éclater. Dans le fond, je suis sûr que le progrès en dérange certains. C'est nous les numéros 1 et puis c'est tout. Hé hey Homer, essaie de te montrer un minimum digne dans la victoire. Tout, tout, manchette de dieu à la noix, tout, tout. Nom de tentacule, comment Dodu Donut a-t-il pu perdre? Ne crie pas sur Dodu Donut quand c'est sur moi que tu veux crier. C'est vrai, j'ai tout fait capoter. Tu as raison, je t'en veux terriblement. Ils attaquent le centre commercial et font copain avec des civils innocents. Où sont les vigiles du centre commercial? Ah, quand c'est pour te choper quand tu fais pipi dans la fontaine, ils sont là. Stop, stop! Tu vois? Hip là, sale voleur! J'ai passé toute la journée à rassembler des billets pour ces machines d'images magiques à écran plat. Brandin veut regarder ces séries en HD. Cet humain a de petits morceaux de papier qui lui font faire d'énormes économies. Il faut l'étudier de plus près. L'étudier par fouille anale? Évidemment, par fouille anale. Qu'en faire sinon? Lui parler? Ah! Heureusement qu'ils s'en prennent à ce bouseux. C'est le moment d'attaquer. Ce petit jeu est trop dur. C'est parti. Parfois, j'ai l'impression que les autres extraterrestres ne m'aiment pas. Mort aux extraterrestres. C'est l'heure de faire un passage. Le voilà! Je savais bien que ce que j'ai appris dans les années 80 servirait un jour. Let's
Ce soir, on va faire la fête comme en 1979. Thank you.
des bonnets. Avant, j'aimais bien le centre commercial, mais maintenant, il y a trop d'extraterrestres. Ça va? Je crois bien qu'ils m'ont explosé le bassin. C'est le prix de sauvage obsédé par nos fesses, voyous! En tout cas, maintenant t'es libre. Tu peux retourner à ta caravane, ta cabane, ton hangar ou je ne sais quoi. Bah, c'est peut-être un taudis, mais c'est chez moi. Ces bestioles vertes ont déclaré la guerre et elle sera finie quand je leur aurai collé mon poing dans leur tête bizarre. Repoussant mais justifié. Moi, j'aime bien regarder les petits jeunes dans les émissions du genre Star Academy. Désolé si je suis mal embauché aujourd'hui. J'ai mal dormi. Un humain tout moche. Et mon sinon, je ne sais pas, je me sens ballonné. Feu à volonté. Ben mince alors. Parfois, j'ai l'impression que les autres extraterrestres ne m'aiment pas. Tentez même pas d'appeler à l'aide. Dans l'espace, personne ne peut vous entendre crier. On n'est pas dans l'espace. Eh bien, nous sommes dans un vaisseau spatial. C'est pas pareil. C'est plutôt étonnant de te voir travailler avec des aliens.
N'y pensez pas trop longtemps. Concentrez-vous plutôt sur le caractère inattendu de ma présence ici pour vous menacer. De plus, je ne me lancerai pas dans des explications alambiquées, car vous ne vivrez pas assez longtemps pour les entendre. Ainsi se brise un noble cœur. Bonne nuit, les gentils Simpson. Que le chant de cohorte d'Alien vous conduise vers le repos. Oh, oh. Je t'avais dit de prendre ton râteau spatial. Peu importe, c'était vraiment idiot d'envoyer un clown sur le retour accomplir le travail d'un alien. Nous aurons notre revanche. Désolé, ma faute. Je pourrais faire une bonne chanson de jazz, ça. Quand ce rayon mystérieux a touché les dauphins, ils sont devenus enragés et ont commencé à attaquer les humains. J'ai essayé de me défendre, mais je ne voyais que des bulles et des flippers en colère. Capitaine McAllister, je suis désolé. Ne me prenez pas en pitié. J'ai pleuré comme une petite fille. Faut que je me calme un peu, là. Hé, une minute. Vous devez nous aider à vaincre cette armée de mignons envahisseurs amateurs de poissons. Ok. Il y a une trappe près de l'eau, derrière le parc aquatique. Retrouvez-moi là-bas et nous allons contrer l'immonde invasion des dauphins. Méha! Son miroir de l'Alnor Skinnerd.
plein d'aquariums. Oh non, ce livre est éducatif. C'était mon heure de gloire aujourd'hui, les enfants. D'habitude, je n'apparais pas aussi longtemps dans la série. Hein? Qui raconte la vie de votre famille. Et
Ils ont déjoué notre plan. Nous allons prendre notre revanche. Revanche. Vengeance. 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 Les petits fours sont prêts. Des nèbres. Délicieux. Chaud. Revanche. Revanche. Des nèbres. De la sauce. Des nèbres. Om. Vengeance. Om. Une bonne chanson de jazz. Oh mon dieu, c'est le vaisseau mère. Je parie que c'est le boss de ce niveau du jeu. Le boss, vite, faites semblant d'être occupé. Regardez, la cale s'ouvre, toutes les quatre explosions laser. C'est le point faible qu'il faut exploiter. Hé, hey, Kodos, le gamin moche a raison. Pourquoi nous exposons-nous toujours après quatre tirs au laser? T'as raison. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça, après tout? Mais t'as raison. Pourquoi nous exposons-nous toujours après quatre tirs au laser? T'as raison. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec ça, après tout? Merci. Mon cosmos interne approuve. Faisons rien, ces pieuvres de l'espace vont envoyer toute la ville en l'air. J'ai dit s'envoyer en l'air, non? Oh. Le livre d'astuces ne propose plus rien d'efficace. Attendez, j'ai une autre méthode pour tricher. Allez sur Internet. Bien sûr, Internet. C'est comme ça que je triche pour l'école. Triche? Il y a un truc que la triche résout pas. Regardez, ils ont un guide pour un jeu intitulé Les Simpsons, le jeu. Bartman, concours de bouffe, invasion alien, dauphin massacreur, il décrit tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Plus rien d'autre, j'espère. Et ça dit qu'on doit trouver... Oui, c'est vous, je vais jouer solitaire. Nous sommes dans le moteur du jeu. Si notre vie est un jeu vidéo, c'est ici qu'il a été conçu. C'est ridicule, je suis pas un personnage de jeu vidéo, je suis une personne vivante avec des rêves et des émotions. Ah ! Ouais, ok, Dak, je suis un perso de jeu vidéo. Est-ce que je peux poser une question? Si c'est un jeu vidéo, où est-ce qu'on met les pièces pour jouer? Ah ! Oh, punaise, c'est un intello. C'est vrai, le plus intello des lunetteux fans d'ordinateur. Papa, c'est Will Wright, le concepteur de SimCity et des Sims. N'oubliez pas mon plus gros flop, Sim Sandwich. Son échec m'a rendu fou, oui fou. C'est pourquoi je vis ici maintenant, en collectionnant des jeux auxquels plus personne ne joue. Dans les jeux vidéo, tout est une question de nouveauté, et les anciens jeux sont rapidement oubliés. Un de ces persos vous dit quelque chose? Waouh, on est vraiment pixelisé. Le rendu est minable. Quel perso est censé me représenter? Ne les détruis pas. Ils sont peut-être dépassés, mais ils sont encore en vie. Au secours, il est fou! Il nous détruit. On pourra jamais s'échapper de Krusty Island. Je suis Marge. Vous pouvez pas faire ça! Bien sûr que je peux. Je suis Will Wright, voyons. Et bientôt, un nouveau jeu des Simpsons va sortir et sera plus évolué que celui-ci. Je serai donc obligé de vous détruire. Arrête-le, Homer! Salatello! Garde ton chasse. Pense à tout ton argent. Oui, pense à tout ton argent.
Je suis le dieu des miocs. Tu as réussi le fun. Un télo. Ok. Vous avez terminé un nouveau puzzle, hein? D'accord. Mais ce n'est pas une raison pour vous vanter. Non, vous ne pouvez pas gagner. Ça ne faisait pas partie de mes plans. À mon tour. C'est difficile de rester zen quand on s'apprête à passer dans une déchiqueteuse. Ça y est, ma fin est proche et j'ai même pas fait le ménage. Mais c'est pas une proche réussite, hein, on est presque mort. C'est fini. Je vais dire que j'aurais jamais fait de câlin que ce tien avec la nouvelle marge. C'est pas possible! Qui vous a envoyé pour me battre? C'était quelqu'un de chez IA? Ils me détestent, vous savez. Ils sont tous jaloux de moi. Jaloux, je vous dis.